5, 4, 3, 2, 1, top. C'est une forme de course maintenant qui existe de plus en plus. Les gens ont envie vraiment d'aller de plus en plus loin au-delà des limites. Et donc il n'y a pas de problème, on peut faire 150 km et 8000 mètres. Vous êtes testé déjà là-dessus? Ouais, pas d'autres sont déjà testés sur le tour complet, moi jamais, et c'est le rêve un petit peu aujourd'hui d'arriver pour la première fois de ma vie à le faire et puis d'emmener 700 personnes avec, ça c'est fabuleux. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Combien de temps pour vous? J'espère déjà arriver. Vous faites ça régulièrement? Non, c'est la première fois que je fais aussi long. Le plus que j'ai fait, c'est 70. Vous venez d'où? De Belgique. Merci, bonne chance. On est parti pour plus de 24 heures. Alors, faut garder pour vraiment y aller tranquillement, sans s'affoler. Merci. Oui, c'est un plaisir, on aime la montagne, on aime la nature, et puis c'est des défis, hein. On se lance des défis de plus en plus grands, et puis on y prend le goût. Voilà. Ouais, quoi, ça va, pour le moment, ça va. Avec pas trop de montée, ça roule. Mais après, je crois que ça va être plus dur. Vous venez d'où? D'origine, je viens de l'Allemagne, mais j'habite en France. Allez. Vous venez d'où? Angleterre. Vous venez exprès pour ça? Oh, bien sûr! C'est joli! L'aventure dans la France et l'Italie! Vous et la Suisse! So habe ich mich über Wasser gehalten. Da bin ich einigermaßen. Ich war nicht gut. On monte plus doucement à son rythme. J'ai beaucoup de mal dans les montées. Alors, je viens du plat pays, du nord. Alors chez nous, il n'y a pas ça. Pour s'entraîner, c'est difficile. Bon, on fait avec. On peut se régaler dans les descentes. Dans les montées, on marche.
bene, tutto bene. Speriamo che arrivi il sole a Courmayeur. Per il resto tutto ok, ciao. Bien en cuisse. Tu peux prendre le bateau. Je vais pas rester trop longtemps. Ouais, bah tu nous dis, hein. On va te faire un petit massage. J'ai vraiment les cuisses complètement. Non, mais c'est vrai, peut-être, mais. Par contre, tu devrais te mettre. C'est mouillé là, ce que t'as. Dur pour les jambes et puis surtout d'avoir fait cette remontée à chez Cru en plus, on n'en voit plus le bout. On peut plus. Il y a beaucoup de choses, c'est l'horreur, les montées, les descentes. Et puis, et heureusement il fait tout ici. Merci. Vedi che fanno la corsa, li riprende, quello ci ne ha preso. Bravi! Macchina, adesso. Bonjour.
Comment ça se passe, messieurs? Ça va. On est régulier. Mon objectif, c'était de faire le tour de Mont Blanc. Donc, si j'ai pas de problème, j'irai jusqu'au bout. Je suis cuit. Vous allez pouvoir finir les 150? Ah non. Non, déjà, à Courmayeur, parce que j'étais déjà cuit avant, j'ai dit bon, on va tenter les 110 et après on arrête. Allez, courage! Vous êtes parti pour finir là quand même? Bah, je sais pas. J'ai parti pour ça dans ma tête. Elle est ardura. Très grave. I'm ready to get to the top of this peak. Yeah? Yeah. Feel pretty good. Yeah? A little tired. Hope the night stays clear. Yeah? You know, no rain. Yeah, cool. That'd be nice. But I got my buddy here. Yeah. Ludwig. Then you will finish? Oh yeah. Yeah? Oh yeah. Yeah. Oh, watch yourself. Watch yourself. Okay. Thank See you. Ya. C'est que c'est une première. C'est difficile. Et il me semble que ça valait le coup de le faire. De toute façon, je réfléchis beaucoup en route. Allez, bon allez. Bon. Merci beaucoup. Non, c'est super, là. Je suis heureux d'être là. Moi. Pourquoi t'as fait cette course? Bah, j'aime bien la montagne. Je viens de Normandie, donc pour moi c'est un super dépaysement. Et puis, ouais, c'est les paysages, l'ambiance, puis l'impression de faire un truc exceptionnel. Et ça va, j'ai pas trop mal aux jambes, donc c'est pour ça que j'ai le sourire, pourvu que ça dure. Bonjour tout le monde. Ouais. Normalement, ça devrait aller. Ah, ça commence à se rafraîchir là. Oui. Voilà, à Courmayeur, il faisait vraiment chaud. C'est chaud, hein? Ouais, en bas là. Ouais. Ah, il y a des écarts de température. Ah, c'est meilleur que chez nous quand même, hein, parce que. Merci. Combien? C'est bon, merci. Ouais, c'est ravitaillé. Ouais, ça va, j'ai un peu mal aux genoux parce que je crois que c'est bon, mais c'est un peu quand même. Non, en traversant, il y a des paysages quand même. Ouais, je marche. Un... Deux. Ah oui, j'ai plus essayé. Merci beaucoup. Bah, moi, je m'entends pas. J'avais décidé à Genève et je travaille sur la santé. Et puis samedi dimanche quand il y a des compétitions, je fais une compétition. Quoi. Tu t'entraînes pas plus que ça? Non. Oh. Par contre je vais aller en vélo au travail. Ça m'a fait aller autour de 20 kilos, 20 km. Et puis bon, l'entraînement c'est ça. Bravo! Bravo, c'est bon.
besoin de soins? Ouais, j'ai des... J'ai de l'aide. Il y a le cheveu et des ampoules sur le portail. Ouais, il y a besoin de soins? Ouais. Ok, alors on va. Merci. Non, je sais pas, oui. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup de monde, si c'est possible de juste faire un petit peu de place. Qu'est-ce qui est prévu ici comme assistance pour les coureurs au niveau médical? Tout, c'est-à-dire le médecin est là pour faire un check, c'est lui qui décide si le coureur est apte à continuer. Et puis après, tout ce qui est kiné, podologue et tout, tout est prévu sur place, ouais, pas de souci. Qu'est-ce qu'on rencontre comme genre de problème au niveau médical sur ces courses? Bah, ils sont... le gros problème médical qui peut se produire, c'est qu'ils ne sont pas aptes à continuer alors qu'ils veulent continuer. Donc c'est le médecin qui va décider, qui va dire, il va faire un check et il va dire non, vous n'êtes pas aptes à continuer. Enfin, c'est tout. Donc c'est le médecin qui prend la décision, ce n'est pas le coureur. Mais là, le médecin, Bernard Darblay, a l'habitude. Donc il arrive à juger très bien. Il a vu tout de suite qu'il est en pleine forme. Donc, ouais. Et l'Italie, c'était pas trop glissant au niveau de la pluie et tout, il n'y avait pas non, trop de... Ça allait. Non, parce que moi j'ai des chaussons des super assez, assez proches. Sei grande Sherpa, unico! Ciao! C'est pas encore un métier pour toi? Non, non. Tu fais ça pour quoi? Pour le plaisir. J'aime bien voir des gens, comme je travaille sur la chantier des gens. Il n'y a pas de gens qu'il faut fréquenter, quoi. La compétition, gagner une course, c'est non. Important, non? Non, c'est pas important. Pour moi, si je gagne, ça m'a fait plaisir. Si je gagne pas, ça m'a fait toujours plaisir. Mais dans la nature comme ça, si quelqu'un me dépasse, ça m'a fait plaisir, je tire le chapeau pour lui. Comment ça va? Bah ça va mieux, j'ai eu une heure et demie de je croyais abandonner, j'ai commencé à faire du stop. Et heureusement personne m'a pris, parce que ça va mieux. Pas trop démoralisé, il a pas mal d'avance là. Bah c'est comme ça, de toute façon, comme je me disais, c'est un combat contre soi-même là. Je voulais m'arrêter, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à... J'allais perdre le combat là, contre moi-même. Hein. Bon là, ça va, j'ai repris le dessus. Et puis on sait jamais, et puis de toute façon c'est... Mon ami Dawa Sherpa, je sais ce qu'il vaut. Il est très fort et c'est bien. Voilà, on verra. Puis de toute façon, c'est des hauts et des bas, comme dans la vie. Voilà, c'est une vie, un résumé de vie aujourd'hui. Voilà. Bon, il reste que 5 heures, hein, on sait jamais. On va rester. Merci. On va rester tranquille. Votre ce matin. Ça, 600 plantés. Le top here? Yeah, I think so. Why? Bad knee. Merci. Comment ça se passe? Ouais. C'est dur? Ouais. On est mort. Très bien. Bon. Ah. Câble. Ouais. Allez, hein? Ouais. Bien. Mais bon, c'est super. Vous allez repartir? On y revient, bah bien sûr. Hein, sûrement pas s'arrêter là. Sûrement super. Pas. Mais c'est. Bravo, hein? C'est top. Vraiment. Hein? Qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant? De quoi? Bah de la course. Ah bah là, ça a été dur là. Ouais. Ouais, ça devient dur. Ça devient dur parce qu'en plus c'est du brouillard. Et puis la nuit, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Et puis la fatigue. La bonne continuation. Mmh. Et vous? Bonsoir. Bon dur? La pluie, toute la journée. Après, ça n'a pas arrangé les mécaniques. Et puis, dernière fois, on va arrêter là. Mais, je vais reculer.
Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'était un peu dur, quoi. J'ai été un peu présomptueux de mes forces, je crois. Donc on s'arrête ici. Je voulais aller jusqu'à 500, hein. Je voulais aller jusqu'à Chamonix, mais je crois que Champex ou Champé, je ne sais pas comment on dit, ce sera très bien. Merci. Allez, 5 minutes, ouais. Même pas 3 minutes le col. D'accord. Moralement, je suis bien aussi parce que j'ai eu beaucoup de support sur le parcours, les bénévoles. Alors, les coureurs, évidemment, c'est des balisages, c'est des impeccables. Alors, je suis très content. Il n'y a pas eu des moments où vous avez douté. Je me suis perdu un petit peu au Courmayeur dans la ville, mais ce n'est pas longtemps. J'ai perdu 5 minutes. Mais c'est quoi, c'est de la fierté justement là d'arriver, de gagner le premier Ultra Trail? Ouais. Ça, c'était quand même.